Donc, en tant que directeur hein, de l'établissement d'enseignement agricole, l'intérêt d'accueillir une telle journée, hein, donc voilà, avec une thématique autour de l'eau. Hein, le point de départ, c'est l'eau. Voilà, donc dans ce territoire, effectivement, où la problématique d'eau est une vraie problématique, voilà, il me semblait important de répondre présent. La deuxième volonté, hein, c'est aussi voilà, rapprocher un petit peu nos établissements de formation agricole de la recherche. Hein, c'est souvent parfois, voilà, les deux sont jamais proches. Donc le fait de vouloir les rapprocher, créer un moment où les deux sont présents et peuvent discuter me semblait fort intéressant. Voilà, donc l'objectif de la journée, désormais, c'est effectivement d'avoir permis à plusieurs enseignants de participer aux différents ateliers hein, et de pouvoir valoriser un petit peu à la fois le réseau de contact, hein, mais aussi les comptes rendus d'atelier auprès des différents collègues de l'établissement, hein, que ce soit les enseignants, formateurs, pour qu'ils puissent s'approprier à la fois des thématiques, avoir des contacts, et pouvoir effectivement revenir vers moi en me disant bah, il y a quelque chose qui ne peut pas m'intéresser, vers qui je me tourne. Une suite à cette journée, forcément, hein, puisque l'établissement aujourd'hui est impliqué dans différents projets hein, de structuration d'établissement. L'établissement a eu la chance d'obtenir un poste d'ingénieur chef de projet, dont l'objectif est de reconcevoir un atelier de production sur le site de TESA, en proximité d'un tiers-lieu nourricier. Donc quelques explications, donc intégrant bah, les dimensions environnementales, la problématique de l'eau et les enjeux de souveraineté alimentaire. Donc un très gros projet pour le futur de l'établissement. Donc forcément, on va réinvestir tous ces sujets dans un futur proche.